Bonsoir, quel est votre prénom ? Raymonde. Bienvenue Raymonde, quelle voix dynamique, hein. Quelle est votre date de naissance ? Le 14 du 10 1951. D'accord, on vous écoute Raymonde, quelle est votre question ? Ben, en fait, j'ai 66 ans, je voulais un peu savoir mon avenir, l'amour et l'argent. D'accord. La santé, vous ne pouvez pas. Hein. Non, tout à fait. Au point de vue sentimental, c'est par rapport à une personne ? Ben oui, pour voir un peu. Il a 70 ans, on vit depuis 22 ans ensemble. Ah, d'accord. Pour voir un peu comment ça va cheminer. Oui. Bonsoir Raymond, de quel est le prénom de ce monsieur ? Paul, P-A-U-L. Voilà. D'accord Raymond, eh bien nous allons regarder un petit peu avec votre ami, si les choses vont continuer à bien se passer entre vous deux. Bah, 22 ans, c'est déjà un bon bail. Hein? Oui, tout à fait. C'est une belle histoire. Alors, voilà, je coupe le jeu et on va voir un peu ce qui se passe. Alors, qu'avons-nous ici dans le tirage ? Nous avons la carte quand même de protection dans la relation. Donc, c'est quand même des choses qui sont positives. Il y a vraiment des sentiments qui sont, pour moi, tout à fait sincères dans cette relation. Mais j'ai un peu envie de vous dire, je ne sais pas si c'est vous ou bien si c'est votre ami qui se laisse un peu trop prendre par la famille, par les enfants ou par tout un contexte extérieur. Ça, je pense que votre relation... Moi, j'ai plus de famille, pratiquement plus. Je pense que votre relation gagnerait encore en qualité si vous étiez encore plus proches l'un de l'autre et peut-être avoir passé moins de temps avec d'autres personnes. Oui, mais pour l'instant, il est sur un héritage, alors... Oui. Sa maman vient de décéder. Ah oui, c'est un moment difficile. De gauche à droite. Oui, donc évidemment, l'esprit est pris par bien sûr la peine, le chagrin et des tracas administratifs. Donc c'est vrai qu'on est moins disponible pour sa partenaire. Oui, c'est un moment difficile, effectivement. Il a changé. Mais les sentiments à votre égard, eux, je ne pense pas. Vous savez, j'ai toujours quelque chose de sincère. Hein. Il était direct. Il est devenu plus direct depuis sa maman est décédée. Oui. Je sais pas. Vous savez, ce n'est pas parce que monsieur a 70 ans que un traumatisme que de tel de perdre une personne proche telle que un parent, ça laisse des traces et c'est inévitable bien au niveau sûr. Psychologique. Je dirais qu'il faudra peut-être le printemps ici, ce que je vois ici au niveau des cartes, pour qu'il retrouve un peu ses repères, son calme, sa sérénité. Je pense que le mieux que vous ayez à faire, c'est de rester dans l'écoute, dans le dialogue, et rester peut-être en arrière-plan et lui laisser gérer un petit peu son deuil. Et vous verrez que dans quelques mois, les choses iront en s'améliorant. Oui, merci. Je crois que vous aviez aussi une question au niveau financier, c'est ça? Et moi, c'est que vous voyez pour moi. À quel niveau? Au niveau financier? Alors, sinon, l'amour aussi, hein. D'accord. Ça va pas? Si, bien sûr. Toutes les questions sont les bienvenues. Je suis là, hein. Oui. Mais on pensait que vous étiez ensemble, en fait. Votre question, c'était par rapport à lui, non? Pardon? Question, c'était... par rapport à lui, mais c'est par rapport aussi. D'accord. Plus on est... Bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues. Ben, plus on est de fous, plus on rit, Emmanuel. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que Raymond, petite coquine, va nous faire autre chose? Raymond est en forme. Et 66 ans, je ne vous dis pas, 69 ans, on est érotique. Alors, écoutez, j'ai envie de dire que il n'y a rien de... Enfin, je vais quand même aller jusqu'au bout de...
du placement des cartes pour voir un petit peu si la donne va changer. Mais à la base, je n'avais rien de marquant. Non, je n'ai rien de marquant de neuf. Attendez. Ah si. Mais nous serons pour vous à la sortie de l'hiver. Il y aura quelqu'un qui va vous faire les yeux doux. Quelqu'un, à mon avis, qui n'est pas encore connu. Ah. Maintenant, encore une fois, les cartes proposent et vous disposez. Mais moi, je suis persuadé qu'il y aura un homme qui sera de votre âge ou un tout petit peu plus jeune que vous, qui, fin d'hiver, début du printemps, va croiser votre route, Raymonde. Et je le connais, vous n'allez pas voir. Non, non, vous ne le connaissez pas encore pour moi. C'est quelqu'un de nouveau. Ah bon? Printemps, alors. Fin d'hiver, début du printemps, un homme de votre âge ou un petit peu plus jeune, c'est quelqu'un qui peut apporter dans la relation du positif, qui a un amour totalement sincère. C'est à vous maintenant à faire le choix à cette période-là. Ouh là là! Oui. Entre les deux? Ah oui, à moins de faire ménage à trois, c'est encore possible. Ça m'intéresse pas. Ah, sacré Raymond. C'est génial. J'adore. Bon, eh bien, on vous souhaite plein de bonheur, alors, Raymond. Tenez-nous au courant. Ah oui, financier, c'est vrai, vous avez une question financière, tout à fait. On va voir ça. Voilà. Vos chastes oreilles rougissent, Emmanuel. Exactement. Alors, nous allons regarder pour Raymond le domaine financier. Financier. Voilà, nous allons voir ça de suite. Il y aura des choses qui vont bouger favorablement. On sort des difficultés au niveau financier. Les changements sont positifs. Il n'y a pas de grosses tuiles à prévoir et je vois gain d'argent pour vous. Mais c'est un peu de l'argent que vous allez recevoir. C'est pas réellement de l'argent parce que bon, c'est pas par le milieu professionnel bien évidemment, mais c'est de l'argent que l'on doit recevoir dans l'année 2018 en tout cas. Il y a une belle amélioration financière pour vous. Voilà. J'ai pas compris. Dans le jeu, est-ce que ce sera par le jeu? Par le jeu, non, pas par le jeu. Ce sera une autre voie. Non. Laissons venir. Je n'ai pas plus d'informations puisque c'est quand même un peu plus loin dans le temps. Mais vous avez de toute façon le triomphe d'argent qui est là. Ouais. Ah ben voilà. Positif, voilà ce que je peux vous dire. C'est merveilleux. Voilà, mais tout à fait. Bien, voilà. On vous souhaite plein de bonheur, Raymond. On vous embrasse. Oh. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir, Raymond. Au revoir.